On est toujours sur la même idée de l'équipe, de faire des choses ensemble. Donc, je pense que vous connaissez Flickr, qui est le service de partage de photos, qui est, je pense, le plus populaire au monde. J'aime bien cette citation parce que on a souvent l'impression que les entreprises de high-tech, c'est un one-man show. Je crois que ce qui est hyper, hyper important pour l'entrepreneur, c'est de savoir s'entourer. Et moi, j'ai en tête un entrepreneur avec qui on a travaillé plusieurs fois déjà, qui avait fait une société très successful qui s'appelait MusiWeb. Si on demandait de qualifier quelle est sa principale qualité, mais de très loin, finalement, c'était quelqu'un qui savait recruter, tout simplement. Donc, savoir recruter, c'est plusieurs choses. C'est bien entendu identifier les personnes qui vont être les bonnes personnes pour l'entreprise, mais c'est aussi faire en sorte qu'elles acceptent de venir. Donc être extrêmement séducteur, parce que finalement, quand vous lui proposez gentiment de diviser son salaire pour venir dans une boîte où il y a 20 personnes, où on ne sait pas si dans 6 mois elle sera encore vivante, et en général installée dans un quartier pourri de Paris plutôt que dans le 8e, ce n'est pas toujours évident d'arriver à ses fins. Donc, tâchez de créer cet esprit d'équipe, cette empathie pour partager ensemble la passion, l'envie de faire, et puis, comme on dit, enfin, on n'a jamais vu de société où l'entrepreneur savait tout faire, il savait écrire le code, vendre les boîtes, manufacturer, etc., les négocier en Chine, etc., etc.